Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Winney, Best Personality 2001 sur Fashion Tsushin. J'en suis très fière, vous vous en doutez bien. Alors pour vous remercier tous, je vous ai préparé une surprise. Ce soir, mes trois amis sont invités à la soirée Dior au Ritz, mais moi, pour vous, je reste ici. Je garde mon chien, Shibaken, formidable. Et pendant qu'elles vont danser, eh bien nous allons regarder ensemble, en exclusivité pour Fashion Tsushin, la première émission Winney TV. Winney Télévision. Winney Télévision, spécial Paris. Aujourd'hui, c'est exceptionnel. Je vais chez une charmante parisienne, Victoire de Taillac. Victoire, c'est mon amie. C'est aussi une travailleuse acharnée. Elle travaille avec les plus belles marques de cosmétiques. Et pour Colette. Eh bien voilà, nous y sommes. Victoire, un petit mot? Alors c'est Victoire de Taillac pour Winney TV. Victoire, tu connais le centre d'art contemporain du Palais de Tokyo, mais as-tu vu mon exposition imaginaire? Allez, on y va! Nouveau à Paris, 24 000 mètres carrés de tendance, d'art, de béton art déco, de musique, de jardin et de convivialité. Ce palais au concept époustouflant va révolutionner l'art contemporain. J'en suis convaincue, c'est tellement grand. Et ce n'est pas tout. Voilà, au Palais de Tokyo, on peut vraiment tout imaginer, n'est-ce pas? Winney Télévision. De retour chez Victoire de Taillac, bureau de presse chic et parisien. Le saviez-vous? C'est Victoire qui s'occupe de mes soirées à Paris. On s'entend bien. Là, justement, on parle de ma communication. C'est très décontracté. Alors maintenant, je vais retrouver quelqu'un que tu connais, Victoire. C'est Christophe Girard, qui est à la fois maire adjoint de Paris en charge de la culture et directeur de la stratégie mode chez LVMH. Mon ami Christophe Girard va me parler de ce qui me préoccupe le plus, la mode, le luxe et l'art. Suivons-le, c'est rare. J'ai remarqué au fil du temps que les créateurs de mode puisaient beaucoup dans le travail des artistes, des plus grands et des contemporains, peut-être quand ils étaient à court d'idées. Et en revanche, quand les artistes sont à court d'argent, j'ai le sentiment qu'ils flirtent avec les créateurs de mode. Je crois qu'il faut aussi être très cynique et qu'il y a de l'argent derrière tout ça, puisque la mode, c'est du business, et c'est très bien de faire du commerce. Il n'y a pas de honte à ça. C'est un peu la tradition des grands marchands. Ils sont toujours les grands bourgeois qui ont soutenu l'art et qui achètent l'art. Ça l'éclaire. Et lui éclaire avec son argent, ses moyens, l'artiste. Et l'artiste est fasciné souvent d'ailleurs par le grand bourgeois. C'est la beauté et l'argent qui couchent ensemble. Je dois dire que Christophe Girard a une collection personnelle d'œuvres dont je suis extrêmement jaloux. Winney Télévision. Bonsoir, c'est Ramdan pour Winney TV.
grande dame qui a décoré le bureau de Victoire de Taillac. Voyez-vous, j'ai toujours eu le goût de l'éphémère, peut-être parce que je suis une star depuis si longtemps. Alors, pendant que ça travaille dur ici, allons visiter mes collections privées. Voici la salle des heures perdues de Paris. Là, nous sommes dans mon musée de bulles. Ici, nous nous trouvons dans le restaurant éphémère que je viens de racheter pour mon bénéfice exclusif. The idea that his daughter is having something to do with a creature. Télévision. Bonjour à tous, je suis Shoichi de l'appareil photo, je suis à Paris pour Winney TV, c'est la bombe bébé. Et voici mon cadeau bonus spécial Paris. Voyez tout ce qui se passe en même temps à Paris. Bonjour, c'est Florence Deygas pour Winney TV. Ce chien est formidable, Shiba, il n'a rien dit, qu'il a regardé Winnie Télévision jusqu'au bout. Bon chien. Et bien voilà, c'était Winnie TV numéro 1 qui est fini. Mais nous reviendrons bientôt sur Fashion Tsushin, j'espère que ça vous a plu. Et je vous donne rendez-vous très bientôt, au revoir. Bon chien, brave Shiba.